Comme vous pouvez voir les amis, je suis actuellement devant une maison hantée qui est absolument immense. Regardez juste un petit peu la taille du truc. Et puis voilà, apparemment dans cette maison, il se passerait plein de phénomènes paranormaux, et notamment à 3h du matin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec mon équipe de tournage. Venez, venez, c'est nous. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis actuellement avec Jean-Pierre et l'étoile noire. Et grâce à eux, on va aujourd'hui, on va essayer de découvrir si des monstres habitent vraiment ici. Alors du coup, l'étoile noire, vu que c'est toi, il y a des monstres qui habitent ici, écoute-moi bien. Il se passe des phénomènes paranormaux depuis que je suis ici. C'est un truc de fou. Là, vraiment, ta vidéo, elle va être incroyable. T'es pas prêt? Mais vous y croyez vraiment, vous, aux monstres et tout? Mais n'importe quoi. Moi, je suis perspicace. Hein. Moi, je n'y crois absolument pas, ce genre de choses. Clairement, ça n'existe pas, les monstres, les gars. On va rien avoir. En bref, les amis, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais reste bien du début jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, placer des caméras absolument dans toute la maison. Et du coup, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas des recoins dans lesquels il y a eu des phénomènes, mec, vraiment bizarres? À l'extérieur, à côté du feu, près de la piscine. Des fois, le volet de la piscine, il s'ouvre, il se ferme tout seul. Après, il y a eu la télé aussi. Des fois, la télé, elle s'éteint. Et genre, en mode, tu sais, il y a des trucs bizarres. Genre, sur la télé, enfin, je vais te montrer là où on pose les cams, mais il y a plusieurs endroits où il y a vraiment beaucoup de choses bizarres. Ok, bah écoutez, les amis, ce que je vous propose, c'est que dès maintenant, on entre dans la maison et on découvre un petit peu et quels sont les spots les plus terrifiants. C'est parti, let's go, les gars, suivez-nous. On rentre évidemment sans plus tarder dans la maison et on va directement commencer à placer les caméras. Gros, moi je dis, il faut direct mettre une caméra à l'entrée. Ouais, l'entrée. Commencer, bonne idée. On va placer une première caméra à l'entrée. Et vous savez quoi? Et vu que c'est l'entrée, bah l'endroit principal, l'endroit par où on rentre, on peut voir aussi si des monstres essayent de rentrer dans la maison ou même d'en sortir. D'ailleurs, les amis, je vous l'ai pas dit, mais regardez toutes les caméras qu'on a aujourd'hui. Là, j'ai des GoPro ici aussi. Là, c'est sûr, on pourra rien rater dans toute la maison. On va absolument rien rater. Surtout qu'on rappelle que cette maison est équipée en plus de ça d'encore plein d'autres caméras. Enfin bref, vous allez voir, ça va être incroyable. Et dès maintenant, c'est parti. Plaçons du coup une première caméra. On va la placer ici, non? Comme ça, on voit directement l'entrée ici, comme ouais, ça. C'est propre. Ouais, ouais, regarde. Okay. Ici dans le couloir, non? Là, ici, là. Là, sur la place, ici, là. Première caméra sympa placée juste ici. On a une caméra qui pourrait prendre le couloir aussi. On verra comme ça s'il y a des phénomènes bizarres. Allez, venez, on continue. Eh, les amis, on est actuellement dans le salon. Et ce que je vous propose, c'est que ici, à cet endroit-là, on place encore une caméra. Vas-y, vas-y, je la pose tranquillement. On va la mettre ici. Essaye de mettre la vue vers le four, là, comme ah ça. Ah, ouais, pas mal, pas mal. Voilà, comme ça, c'est parfait. Parfait. Eh, d'ailleurs, attendez, le salon. Et le salon. Tu la télé là-bas. T'inquiète, j'ai encore des GoPro. Parfait les amis, comme vous pouvez le voir, on a une caméra juste ici qui va nous filmer directement dans le salon. Ah, celle-là va être vraiment incroyable. Regardez en plus le salon. Oh, il est magnifique, attendez. C'est incroyable les amis. Attendez les amis, on a oublié le principal. Eh, à 3h du matin, les mecs, on fait quoi en vrai? On dort, non? Ouais, dans la chambre, gros. On va dès maintenant placer des caméras dans toutes les chambres de la maison. Bon, par contre, eh, les gars, faites pas de trucs bizarres, hein. Non. Promis, tu n'as encore rien de bizarre. Eh bah écoutez les amis, c'est parfait. On va dès maintenant placer des caméras dans la chambre à l'étoile noire, Jean-Pierre et la mienne. Avant de placer une caméra dans ta chambre, t'avais pas déjà fait l'expérience une fois dans ta chambre et il y avait eu une apparition? En vrai, on va pas se mentir, à la base des bases, j'avais pas cette chambre ici. J'avais une autre chambre, c'est la chambre où est The Cheese Nash. La chambre là-bas, elle fait flipper. En plus, elle est proche de l'entrée. Non, moi je vais plus dans la chambre là-bas. C'est pour ça que j'ai changé de chambre. Les amis, vous savez quoi? Dès maintenant, je vais vous mettre des images de ce qui s'est passé dans la chambre à l'étoile noire où il a dormi hier soir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai cru voir des ombres et tout, enfin, c'était bizarre. Bref, allez, let's go, on va directement placer une caméra dans la chambre à Jean-Pierre. Du coup, parfait, si on la mettait genre là. Ouais. Là, c'est bon, non? Mais gros, par contre, ça va me filmer pendant que... Jean-Pierre, ça va filmer tout ce que tu vas faire pendant toute la nuit, hein. Ouais, c'est quand même chelou, gros, je vais essayer de mettre un caleçon aussi pour dormir parce que... Non mais, hey. Là, du coup maintenant on va placer les deux dernières caméras, enfin deux dernières caméras des chambres. Et puis après on va passer à l'extérieur puisque vous le savez, la maison est assez grande. Il y a d'ailleurs des trucs bizarres dans le jardin aussi. Dans le jardin près de la piscine et surtout dans le salon extérieur près du feu. Ah, let's go, on y va. Voilà donc, comme vous pouvez le voir, dans la chambre où l'étoile noire va dormir ce soir. Je te propose que dès maintenant on mette la caméra ici. Mais vous savez quoi? Ce qu'on va... Il y a un bruit là-dedans là. Ah ouais, gros, attends, mais c'est pour ça que t'as été toi? Il y a un bruit bizarre. C'est bizarre, hein. Il y a pas un truc bizarre là-dedans là? Moi j'y rentre pas là-dedans, gros, c'est mort, hein. Ok, bon, les amis, cette chambre je la sens vraiment pas. Je sais pas ce qui va se passer, mais bon, on va placer les dernières caméras, let's go. Voici la chambre dans laquelle je vais dormir. Et bah écoutez, on peut mettre ma caméra, une caméra ici là. Parfait, là. Parfait les gars, là je vais bien dormir. Bah évidemment, voir un petit peu ce qui va se passer à 3h du matin. Et maintenant, on place les caméras à l'extérieur, notamment à la piscine. En tout cas, quoi qu'il en soit, les caméras sont aujourd'hui ici pour nous filmer et découvrir ce qui va se passer. Et on verra bien dans 24 heures ce qu'il va se passer. Passons une dernière caméra dans le couloir, dans le hall. On va passer une journée 24 heures ensemble. Normal. Et on se retrouve dans quelques instants. Allez les amis, à dans 24 heures. Oh, les amis.
Alors, je sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, c'est sûr, on a absolument filmé toute la nuit. Vous savez quoi? Eh. On va dès maintenant ouvrir les volets et voir. Oh, mais attendez, mais. Ah ouais, au vu du temps qu'il est, je crois qu'il doit sûrement être 7-8 heures du matin parce que là, le soleil n'est pas encore tout à fait levé. Bref, on va voir si Eloen est réveillé. Il est en train de dormir. Bon, gars, on va le réveiller. Comment on peut le réveiller? On va faire ça. Ok, chut, 3, 2, 1. Oh, oh, bah alors, faut se réveiller. Mais mec, c'est bon, on a filmé tout ce qu'il voit avec la caméra maintenant, là. Hein? Du tout, wesh. Mais mec, il est 8h du matin, c'est bon, allez, vite. Allez, sors du lit, là. Oh. Allez, wow. Allez, viens. Il y a Jean-Fils qui nous attend, je crois, à la cuisine, là. Allez, on y va. Wow, frère, je suis fatigué. Mais, wow, le pâle flash dans la gueule. Eh, l'étoile noire, il est déboussolé, je crois que lui, il vient vraiment de se réveiller, là, c'est chaud. En tout cas, dès maintenant, on va aller dans le salon, voir un petit peu si Jean-Fils est lui réveillé. Et c'est parti. Les gars, on a un problème. Quoi? Qu'est-ce qui se... Je te jure, gros, t'es pas prêt, gros. Quoi? Je suis en train de regarder les rushs, là, des caméras qu'on a installées, gros. La vie de ma mère, gros, t'es pas prêt. Hein. Comment ça? Y a quoi exactement sur les rushs, là? Tu me fais peur? Mais y'a rien, arrête de demander. Viens voir, tu meurs, gros. Viens, prends une chaise, allez. Vous êtes pas prêts, allez, c'est parti, regardez. Écoutez, vous savez quoi, les amis? Dès maintenant, je vais aller regarder les rushs de ce qui s'est passé cette nuit et on va voir tout simplement ce qui s'est passé durant ces 24 dernières heures. C'est parti! Ok, du coup, comme vous pouvez le voir, ça y est, on s'est posé tranquillement dans le salon. Eloen, t'as déjà peur, tu t'es mis avec ton plaid et tout. J'ai froid, mais tu dois sortir du lit. T'es pas prêt, l'étoile noire, toi t'y crois pas, mais maintenant j'y crois, les gars. Moi j'y crois pas. Je vous rappelle que Jean-Fils a déjà vu quelques parties de la vidéo, ça veut dire qu'il est déjà un petit peu spoilé. 5 minutes de rush, c'est les moments les plus intéressants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est un highlight, quoi, t'as fait un best-of. C'est exactement ça. Et dès maintenant, on est parti. Alors du coup, on commençait tranquillement, comme vous pouvez le voir. Ok, on est dans l'entrée. Ah, c'est quand on est rentré, ça. Ah oui, c'est qu'on était rentré le soir, là. Là même, je lui ai dit, ouais, fermez le portail et tout. Ouais, je me rappelle. Bon, regarde, dans quelques instants, gros. Regarde, quand on était parti. Regarde quand on était rentré. Eh, là, tu vas pas me mettre un vent, là. On va dormir et tu vas mettre un vent, Jean-Fils. Là, oui, là, tu... Ah, il a mis un vent. Regarde. Attends, quoi? Regarde, c'est la sorcière, gros. Attends, mais c'est Momo? Bon, là, pas entendu. Momo? C'est qui, Momo? Les gars, mais me dites pas que c'est Momo. Mais wesh! Mais elle est à la maison, en fait. On est en train de faire des pizzas, gros. Regardez, les amis, juste là, comme vous pouvez voir, on voit une sorte de Momo. Attends, mais les gars, ça fait peur. Mais oui, chelou. C'était quand on faisait la pizza, en plus. Bah, à chaque fois, en plus, il est caché, il est derrière nous, regarde. Caméra de cuisine, non, mais what? Momo est juste. Mais genre, on l'a pas vu, les gars, c'est un truc de fou. Trop bizarre, les gars. Ah! Oh là, c'était quand on regardait le match de foot. Attends, mais regarde, le rideau il bouge pas un peu derrière là? Le rideau? Attends, mais les gars, regardez au niveau du rideau. Mais wesh. Tu crois maintenant? Mais attends, pourquoi est-ce que jamais personne l'a vu quand nous? Mais les amis, mais moi je l'ai absolument jamais vu, Momo. Pour regarder, en fait, elle est discrète puisque à chaque fois qu'on a le dos tourné, elle est là. Mais après, comment? Attends, mais pour partir. Imagine, elle est derrière là. Mais ouais, imagine, elle est encore là. Moi je me parle d'ici. Moi je vais rentrer, hein. Ok, ah, c'est quand on travaillait, gros. Ça, c'est quand, quand tu faisais le montage et tout. Ok. Bon, là. Là, en tout cas, cette vidéo, elle était drôle en vrai. Hein. Ouais. J'avais kiffé la vidéo. Ouais, gros! Mais regardez au niveau de la vitre derrière là. Mais wesh. Attends, et toi, t'habites ici et tu dors tout le temps dans cette maison? Mais les gars, Non, je la vends. Ce mec, je la vends. Il y a personne qui va vouloir acheter sa maison. Les gens, ils le savent pas. Ah, eh, bon, là, me dis pas qu'il y a un truc qui va apparaître quand même là. Gros! Au fond, quoi? Au fond! Ouais, les gars! Vous l'avez vu au fond à gauche là? Il est juste ici! Momo arrive! Non, me dites pas qu'il va. Attends, mais genre il se rapproche! Mais qu'est-ce qu'il fait, les gars? Mais what? Attendez, mais il va. Attends, il va m'attaquer là! Mais il va clairement t'attaquer là! Attends, mais tu t'en es pas rendu compte, Jean-Pierre, qu'il y avait quelque chose derrière toi? Les amis, je peux vous assurer qu'on a même pas entendu un seul bruit dans ces moments là! Mais wesh! Ouais, mais il va carrément nous attaquer là! Wow! Bon, et. Les amis, non mais là c'est n'importe quoi là. Quand vous êtes de la balançoire, c'était trop drôle. T'es fort à la balançoire. Mais attends, mais là c'est pas drôle parce que regarde là, vous faites de la balançoire, mais là si le moment il est là, c'est qu'il se passe. Mais mec, mais regarde juste ici. Y a Momo qui est en train de venir, je crois. Wesh. Les gars, ça veut dire que peut-être à cette regarde, il a failli l'attraper. Mais gros, attends. Wesh. Il t'a poussé. Mais genre, t'as rien senti, gros. Non, tu mens, tu trolles. Non, c'est pas possible. Il troll. Ah oui, là, je crois qu'on avait compris, justement. On avait entendu un bruit. On avait entendu. Mais mec, ça c'était pendant que vous faisiez le montage, les gars. Je m'étais pris un petit peu de temps pour Ça va, tranquille. Bon, ça fallait pas le dire, les gars. Je me suis un petit peu.
Wesh, quoi? Mais non. Tu l'as pas vu, gros, tu le fais exprès. Non, 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 il fait exprès, on est d'accord. Mais j'étais en train de prendre un petit banc là. Les gars, imaginez en fait, nous on les voit pas, mais c'est la caméra qui voit en fait le monstre. Ouais. Genre comme si c'était invisible à l'œil nu? Wesh, c'est depuis ça, gros, c'est pas possible. Petit jacuzzi, attends, mais toi, pendant que nous on travaillait, lui t'as vu comment il était tranquille et tout. Moi, pendant que Jean-Fils et l'étoile noire ils faisaient du travail, moi j'étais tranquillement posé dans mon jacuzzi comme ça là. C'est la chambre à Jean-Fils! C'est ma chambre! C'est la chambre à Jean-Fils! Mais c'est dans ta chambre en plus qui sort là! Wesh, mais c'est toi! Imagine mon mot. Wesh, c'est moi, non! Non, ok, me dis pas de rentrer ma chambre. Les amis, on arrive au moment où les personnes dorment. Dans ton lit pendant que tu dors! Mais gros, non, moi je me barre d'ici, gros. Dans ton lit pendant que tu dors! On a l'impression qu'il est dans toutes les pièces! Il y a aucune pièce qui a été épargnée! Les amis, il y avait littéralement Momo qui était en train de. Qui est dans la buanderie à Jean-Fils! Non mais c'est quoi ça? Allez, tu vas voir, wesh! Quand tu dormais! Ok, bon là t'étais clairement en train de faire un gros dodo! Mais y'a rien là! Bah. Voilà, il se passe rien, c'est normal! T'avais pas dit que pourtant cette chambre était bizarre? Non! Oh, il va le manger! Les gars, attention Momo, tu vas faire quoi? J'ai rien senti! Oh! Mais non, il va faire quoi là? Oh, il t'a dit de bien dormir! Gros, il t'a caressé, il était dans un chat, gros! Il t'a même fait une petite caresse! Mais les gars, mais cette Momo est littéralement folle! Mais je suis terrifié, mais il m'a touché, gros! Les amis, ne quittez surtout pas la vidéo par. Oh, c'est moi! C'est toi! C'est moi! Non, là, il va rien se passer! J'ai surveillé, en plus, j'ai fermé toutes mes portes et tout, normalement, y'a rien! J'ai même fermé les volets, regarde! Y'a quelque chose? Non, c'est trop, non, s'il te plaît, arrête! Arrête! Attends, est-ce que toi aussi vas venir? Attends, mais imagine, il me fait un câlin et tout, moi! Oh, la couverture! Momo, il a pris la couverture! Le mec, il s'est couché avec toi, il a couché avec toi! T'as couché avec moi! Ouais! Mais Samy! Ouais! Mais Momo, elle est en train de dormir avec moi là! Mais what? À quelle heure les potes, c'est quoi ça? Oh non, mais. Oh, attends! Non, coffre! Ok, pourquoi on a une vue de la piscine? C'est bizarre! Mais attends, mais là c'était à 4h du matin, tout le monde. Wesh! Il va où? Attendez, Momo, va où? Attends, va quand même parler dans l'eau! Elle va faire quoi là, Momo? Ok, on va suivre un petit peu la caméra, je vais changer de caméra. Attends, y'a pas un peu un switch là? Attends, vas-y, switch! Hop! Attends. Hop, ah, c'est bon, c'est switch! Okay, c'est bon. Oh, attendez, mais c'est le sauna? C'est le placard à balai que je t'avais dit avec le sauna? Ouais. Mec, il va quand même parler dans le sauna! Mais où est-ce que va Momo là? Les amis, attendez, mais. Imagine que à cette même heure là, Momo est encore dans ce placard à. Attends, on va voir. On va voir. À droite. Tu veux qu'on aille voir? Les amis, il faut apparemment aller à droite et. Oh les gars, la vidéo s'est coupée. C'est fini. Wesh. Non, c'est pas possible. Ah gros. Mec, je. Non, moi je. Non, moi je dors pas ici, gros. Non, je vais à l'hôtel. Je vais à l'hôtel, gros. Non, même moi. Non. Du coup, les gars, y'a quoi dans cette pièce? C'est juste là-bas, hein. Mais on essaye d'aller voir. Tu veux qu'on aille voir? Oui. Allez, c'est parti, gros. Les gars, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Voilà. Et bah, les amis, c'est parti. Allons en direction du KGB. Moi, je vais rester un peu tranquille parce que vous connaissez moi et Momo, c'est pas trop une amitié et j'ai très peur de cette personne. Donc, on y va. Allez, Jean-Fils, il est déjà tout devant là. C'est une lumière détectrice de mouvement, d'accord? Ça veut dire que la lumière s'allume que s'il y a du mouvement. S'il y a du mouvement, c'est qu'il y a quelque chose. Mais regarde. Et pourquoi elle est allumée? Regardez. La lumière juste là-bas. Moi, je n'y vais pas. Hein. Comme vous pouvez le voir, les amis, la lumière est actuellement allumée. Attends, mais. Me dis pas que tu l'as allumé et que tu nous fais une blague. Gros. Je vais toquer et on va voir s'il y a quelque chose qui répond, ok? Ok, vas-y. Ok. Wow. 3, 2, 1. T'entends quelque chose ou pas? Moi, j'ai rien. T'as entendu un truc, toi? Non, j'ai rien entendu. Moi, j'ai rien entendu du tout, hein. Bon, qui va? Qui va en premier? Jean-Fils, il a voulu faire l'homme. Tu vas, allez, tu peux aller, vas-y. Ouais, go. Vas-y, on est ensemble, hein. Wesh! Les gars, y'a Momo! Mais tu. Non, mais arrête, tu trolls! Je te troll pas, la vie, ma mère va voir, gros, y'a Momo, gros! Bon, pendant ce temps-là, moi je vais quand même essayer d'aller faire un petit tour là-dedans pour voir ce qu'il y a et vas-y, let's go, on y va! Jean-Fils est parti aller chercher une arme, je crois bien, et LEN est juste derrière moi. Ce qu'on va faire, c'est que dès maintenant, on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le petit placard à balai juste là. C'est parti, on y va! Ok! Allez, je suis avec toi, hein! Ok! Donc, normalement, c'est dans cette porte que Momo s'est sûrement caché. Venez, on va essayer d'aller voir. Venez. Ok, je vais toquer. Y'a quelqu'un? Oh, ok. Attendez, on va entre-ouvrir la porte. Tiens, regardez juste là. Y'a Momo qui est juste là, les gars. Bon,
on va aller voir l'amphis. On va aller voir l'amphis, on va aller voir l'amphis. Oh, les gars, il y a Momo dans cette pièce. Ok, on va aller voir l'amphis. Regardez, juste ici, j'ai trouvé une Infortnite. Tu vas nous sauver, heureusement que tu l'as. Vas-y, monte-nous qu'on me marche. Pas casser les murs. Hein. Ouais, c'est incroyable ou pas? On va tuer Momo. Ouais. Bah écoutez, les amis, attends, je peux juste voir un petit peu comment il marche cette arme là. Fais gaffe, fais gaffe. C'est dangereux. Bon, si tu mets pas un pouce bleu, ça veut dire que Momo, ce soir, il sera dans ta chambre, en train de t'observer. Sous ton lit, Momo. Bon, abonne-toi tout de suite à la chaîne et mets un gros pouce bleu, c'est super important. Écoute, tu sais quoi? Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de faire un appât, tu vois. T'as pas un petit peu de viande? Parce que tu sais, Momo est attiré par la chair humaine, la chair fraîche. Y'a pas un petit truc là? On va voir dans la cuisine. On va voir dans la cuisine, c'est parti. Let's go. Les gars, regardez ce que vient de sortir là. J'ai trouvé ça dans la cuisine, les gars. Wow. C'est de la chair fraîche, ça, mec. De la bonne chair fraîche. Ça, à l'odeur, Momo va le sentir et va littéralement péter un plomb. On y va? Allez, c'est parti. Let's go. Je prépare mon arme. Ça va être le moment du combat final. Vas-y, on va le voir. Oh! Il est là? Il est clairement là, la chair fraîche ici, c'est bien, hein. Ouais, c'est très bien. Et on va se cacher, et dès qu'elle arrive, tu tires. Ouais, okay, vas-y, vas-y, on se cache derrière l'arbuste. Oh, t'es prêt? Faut attendre qu'il avance. Ok, il va avancer, il va prendre la chair fraîche. Attention, les gars, vous êtes prêts? Ça va attaquer, partez. Oh, attends. Voilà. Les amis, ça y est, on a tué Momo comme vous pouvez le voir. On a gagné, les amis. Et bah écoutez, si vous voulez revoir des combats comme celui-ci dès maintenant, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Et dès maintenant, je te propose de nouvelles vidéos. Clique dessus et je te souhaite un bon visionnage.